Quelles sont les morts les plus tristes du cinéma spécial animaux? Parfois, on est beaucoup plus attristé par la mort d'un animal que celle d'un personnage dans un film. Et donc aujourd'hui, on va voir les deux morts d'animaux qui m'ont le plus attristé dans le cinéma. Et on commence évidemment avec Sam, le chien de Robert Neville dans Je suis une légende. Et cette mort, elle m'a vraiment mis mal. Franchement, t'es pas humain si t'as pas lâché ne serait-ce qu'une seule larme en voyant cette scène. Mais je te rassure, le chien qui a joué dans le film est encore en vie. Du moins, c'est ce qu'annonce un article de 2019, donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais si t'as des informations, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et d'ailleurs, c'était une femelle et non pas un mâle. Et l'autre mort d'animal qui m'a le plus touché, c'est la mort d'Artax, le cheval d'Atriou dans L'Histoire sans fin. Bon, c'était l'un de mes films préférés quand j'étais petit, et ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais je pense que si je le revoyais, je serais capable de reverser une larme en voyant Artax mourir. Et pour toi,